message, c'est qu'au moins l'un d'entre vous a réussi à rejoindre la zone d'opération. C'est pas grâce au Squall. Silence, l'Australien. Les communications ne passent pas aussi loin sous terre. Alors cet enregistrement devra suffire. Voici vos objectifs. C'est parti. Chacun de vous a une charge de C4 dans son équipement. Utilisez-les toutes pour faire sauter le mur des horaires de l'ancienne gare. Traversez-le. Accédez au toit du bâtiment. Puis entrez en contact avec moi. Paie ton micro-management. Task Force X, ce sont vos ordres. Si vous les ignorez, que vous vous séparez ou que vous me mettez en rogne, je ferai sauter les nanobombes que vous vous êtes tous gentiment implantés dans le crâne. Si vous survivez, nous nous reparlerons. Waller, terminé. Charge en place. Ouais. Essayez de pas vous faire sauter. 3, 2, 1! Si les assassins commencent à sortir des murs, je vais m'énerver. L'ascenseur est verrouillé. On peut peut-être l'accéder en tirant sur cette boîte de jonction. J'aime pas ça! T'en fais pas, je suis... Vous m'aidez à forcer la porte? Chute libre! Qu'est-ce que c'est que cette fête? C'est quoi cette lenteur? Sortez vos flingues! J'allais te poser la même question, Quinn. Attends. Floyd Lawton! Il laisse vraiment sortir n'importe qui à Arkham. Oh, je suis en mission de reconnaissance pour Brainiac. Parlons en marchant.
Brainiac est celui qui apportera enfin l'ordre sur Terre. Il crée un monde pour son peuple. Ici, bientôt, ce sera la nouvelle planète connue. C'est ma mission depuis au moins 3 semaines, je dirais. Ça est rassembler des méta-humains. Mais en vous regardant, je vois aucun potentiel. Qu'importe, nous saurons vous utiliser. Allez. Je suis pas un méta. Est-ce que je pourrais... Chut! Je veux que vous voyez ça. Regarde bien, Floyd. Laissez-moi partir, s'il vous plaît! Enlève-moi ça! Enlève-moi ça! C'est pire que ça en a l'air. Mais une fois qu'on est assimilé, on oublie tout le reste. Magnifique! Chercher les survivants. Rejoindre l'armée de Brainiac. Le Squall a compris. On en a déjà 8 millions. Ces résistants ne comprennent pas la loi martiale. Il est temps de vous rallier à Brainiac. Rien sauter le pas. Lanterne. Laisse-moi coller 2 bastos dans le crâne de Brainiac, et ensuite je m'occupe de toi. Ouais. Je vais peut-être plus dire que j'ai trouvé 3 méta. Et un cadavre découpé en morceaux. Flash! Brainiac demandait comment t'étais sorti du vaisseau. Secret de Speedster. La Ligue ne laisse tomber personne. Je vais te ramener à la raison. Oh! Mais tu m'ôtes les mots de la bouche! Waller, envoyez-nous de l'aide. Green Lantern. Vous nous avez collé une cible dans le dos, Waller. Green Lantern nous aurait tués si Flash n'était pas arrivé. Flash est en vie. Et toujours humain. Il a balancé Lanterne du toit à la vitesse du son. Tenez-vous prêt à le ramener, c'est clair. Traversez la ville en reconnaissance. Je vous briefe en chemin. Vous êtes derrière les lignes ennemies, dans Métropolis occupée. Sans doute l'endroit le plus dangereux sur Terre. L'humanité n'est plus la bienvenue par ici. Comme à Gotham, quoi. Ce Brainiac a déployé une armée corrompue pour tenir la ville. Soldats, tanks, drones, patrouilles. Il y a aussi un vaisseau spatial du géant qui en envoie plein d'autres. C'est au courant. Je constate que vous avez déjà volé de l'équipement. Tâchez de l'utiliser à bon escient. Brainiac ajuste ses défenses en temps réel. Il scanne les immeubles à la recherche de survivants. Tout ce qui entre et sort passe par ce foutu skullship. Je vous envoie un nouveau point de reconnaissance. Allez-y. Humains. Les scientifiques du DEO pensent qu'il s'agit d'un résidu inorganique suite à un transfert d'énergie de masse. Brainiac a pris 99% de la population et il nettoie derrière lui. Ah, donc le dernier pourcent a droit à un vol en classe éco au lieu du transfert d'énergie de masse? Vous trouvez ça drôle? Ils sont en train de les rassembler en vue de leur conscription. Ne devrait-on pas faire quelque chose? On essaie. Toutes ces personnes sont innocentes. Pour l'instant, toutes nos tentatives ont été repérées par les drones. Poursuivez votre reconnaissance. Aucune activité terrienne détectée. Mais
et toujours aucun signe de Flash. Attends, c'est Flash qu'on cherche? Je peux le trouver, moi. Dites-moi plus. On a comme une connexion avec la vitesse pure. Et il y a un capteur sur ce gant. Très bien. Il vaut peut-être mieux vous garder en vie. Captain Boomerang, prenez la tête. Retrouvez Flash. Terminé. Vous avez vu? Vous feriez bien de commencer à m'appeler Captain Boomerang. Allons-y! Le grand Clay va nous mener direct à lui. Enfin, si on se perd pas en route. On continue comme ça et on fera qu'une bouchée de ce cher Flash. Boomer. Alors il est où, Flash? Concentrez-vous. Compris. Compris, Quinn. Attaque la cible. Compris. C'est
Ramenez vos fesses vers la sortie. Il est tout proche. Deadshot, ouais, tu parles d'un pro. Se faire chasser par le vrai Batman rend cette expérience très immersive. La porte est condamnée. Trouvons une sortie de secours. De ma force. C'est un sorcier! Ah! Cette sortie est verrouillée. Il y en a d'autres? Attendez là-bas. Terminé. Bienvenue dans la vraie expérience, Batman. Tout commence à l'asile d'Arkham pour les criminels mentalement instables. Batman avait arrêté le Joker comme tant de fois par le passé. Mais ce soir-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce détraqué avait préparé un piège. Suite à la ruine de l'asile, les bas quartiers de Gotham furent convertis en une immense prison, Arkham City. Un véritable enfer urbain. Le combat entre Batman et Joker a pris fin à Arkham City. Je suis sûr que Batman aurait sauvé ce fou furieux s'il l'avait pu. Mais avec le sérum titan dans les veines, les heures les plus sombres de la ville étaient encore à venir.
Après avoir rallié les derniers ennemis de Batman à sa cause, au final, Ivy était plus léger d'épouvantail. Le pyromane Garfield Linz, qui était le chevalier d'Arkham. La mystérieuse silhouette semblait aider l'épouvantail, mais a disparu après sa défaite. Pour ma part, je trouve que c'est l'étonne. Laszlo Valentin était un véritable malade. Un chirurgien fou qui pensait rendre... Des années après avoir feint sa propre mort, Bruce Wayne... Hey, Waller, on est à la sortie. Vous allez nous expliquer. Oh merde! Un fantôme! Est-ce que les esprits de vos ancêtres sont toujours comme ça? Il accepta. Ainsi, l'histoire de Bruce Wayne... Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle veut nous filer la migraine ou quoi? Un des rues mal famées de la ville. Elle nous a fait... C'était Jack Ryder. Merci de m'avoir suivi dans ce périple. T'as été bercé trop près du mur, pas vrai, Boomerang? Oui. Et alors? Hé, hey, si on se... Je propose d'aller dans le hall, de barricader les portes et d'attendre que ça se passe tranquillement. Waller a pas l'air d'être du genre à nous laisser nous planter. Oh, pas du tout. Ah, ouais. On a plus de défense. J'attendrai pas que Waller vienne me taser. On entre dans le sanctuaire. Tout est fermé à clé. Voyons ce que donne l'ordinateur. Ici Waller. Oui, nous occupons le hall de justice comme prévu. Son système de sécurité nous rend indétectables. Hey, soldat. Vous pouvez arrêter de marcher sur le câble de son respirateur? Merde. Oh. Pardon, Doc. Y a pas de mal. Mais ne mettez pas vos pieds sur mon équipement. Votre cerveau récompense déjà la violence et la frime. J'ai juste explosé le système. Battez-vous avec style pour atteindre un état de concentration. L'adrénaline active vos compétences. Mais faites une connerie et pouf! Vous perdez le gros... Enfin bref. La directrice a mis de côté vos vieux costumes dans ses casiers. J'installe juste le scanner biométrique. On va éviter qu'un de ces aliens entre ici. Et nous taillons pièces pendant qu'on déjeune, hein? Attends là! Faut faire parler le charme et sans doute la violence. Ah, c'est mon moment. Je le sens. Allez, je monte. Cette saleté a surchauffé. Waller a carrément embauché. Nouvelle cible identifiée. Ça me semble un peu... Extrême, rouille à toi. Cette gamine est une vraie méchante! Exactement comme nous. C'est une gosse. Après toi, Queen. Mettez-vous les couilles dans vos génies! Vous faites pas geler, les gars! Ah, leurs boucliers sont plus gros que les nôtres! Immense, mais immobile. Véritable invitation à l'attaque. Malabar a raison. Cherchez un point faible. Contre toi.
pouvez m'aider? J'aimerais remercier le pingouin pour sa petite surprise. Détruisez les incubateurs à Central Station, TFX. Vous allez faire le ménage. Parfait. J'en ai assez. Est-ce que l'un de vous a déjà entendu parler de sécurité des armes à feu? Tu rigoles? J'étais le bassiste de sécurité... Feu à volonté, TFX. Central Station est un lieu historique protégé. Mais lâchez-vous pour le reste. Les incubateurs à terminaux sont reliés à un genre de réseau de sources d'alimentation. Détruisez-les toutes. Je comprends pourquoi tu peux aller. En parlant de promotion... Évaluerez vos performances. Et celui d'entre vous qui merde le moins deviendra peut-être le chef des squads. Et c'est reparti. Tu voles encore la vedette à tout le monde. Bon, écoutez-moi, TFX. Voici une diffusion en direct depuis la tour de garde de la Justice League. On a repéré des ennemis avec une liaison de données vers le Skull Ship. On veut ces données, et c'est vous qui allez les choper. Deadshot, je veux que tu prennes la tête. Ça va être à toi de choisir la prochaine mission. Les autres, montrez ce que vous valez et vous pourrez peut-être diriger les squads. J'ai un porteur de données et une bonne grosse menace et la directrice n'est plus la principale menace qui plane sur vos têtes. Nos rapports signalent la présence de snipers ennemis en ville. C'est du sérieux et leurs munitions délivrent une charge électrique. Ouvrez l'œil. Inutile de tirer sur ces drones de transport. Le Skull Ship les récupère trop vite. Les propulseurs lâchent. Alors, comme ça, Deadshot ne rate jamais ses tirs, hein? Je touche toujours ma cible. Ah, ok, ok. Il nous faut se cache pour que nos geeks infiltrent leur communication. Oh, il faut ramener la cible en vie, Flag. Pas cette fois. Éclatez-vous. Ouais. Cool. Génial. Oui, je peux utiliser ce canal pour pirater le réseau du Skull Ship. J'ai juste besoin de temps. Vous l'avez
entendu, TFX. Occupez les forces ennemies en approche jusqu'à ce que nos scientifiques tiennent ce qu'ils cherchent. Je pensais que tout ce foutoir technologique allait être chiant, mais j'adore me battre. Pourquoi nous, on n'a jamais de renfort? C'est pas ces snipers pour faire sauter la tête. Ça, c'est mon job. On joue pas dans la même cour. Change de chargeur. Communication ennemie dans vos disques durs, activée. Concentrez-vous sur les sons du couteau. Identité, Deadshot. Harley Quinn. Captain Boomerang. King Shark. Tous des pervers narcissiques. Aucune chance qu'ils travaillent en équipe. Isolez-les, puis éliminez-les. Éteignez. C'est bien beau les écoutes, TFX. Mais pour craquer les boucliers de ce Skullship, va falloir recourir aux bonnes vieilles méthodes. Je m'en charge personnellement. Vous quatre, vous allez faire diversion pendant que j'essaie de m'infiltrer. Tu risques ta vie, toi aussi? Si c'est pour faire ami-ami, ça marchera pas. Je pensais la même chose que vous, Lawton. Commençons par faire de vous une unité de soutien efficace. Rendez-vous au point désigné pour l'entraînement. Hack a quelques idées. Je prends mon envol. Je pourrais l'avoir d'ici, mais... Je surveille les vecteurs de résistance en activité dans la ville.
La journaliste, le scientifique et les criminels. Nous les isolerons. Nous les soumettrons. Données physiologiques, histoire de faire passer en vert toutes ces lignes rouges. Votre principal atout, c'est votre mobilité. C'est clair que c'est ni l'intelligence ni la ruse. Mais heureusement pour nous, on doit pouvoir en tirer quelque chose. Faites monter l'adrénaline pendant le combat. Ça vous permettra de mettre vos adversaires KO avec des coups puissants et stylés. Cette simulation de combat va vous en faire baver. Cible verrouillée. Ça, c'est de la bombe. Oh, pardon. J'aurais peut-être pas dû dire ça, hein. Faites-en bon usage. La prochaine mission est pour vous. N'oubliez pas que j'ai le doigt sur le gros bouton. Oh là là, hey, ça va les filles. Pour pouvoir percer le bouclier de cet engin mortel, je dois extraire des données sans me faire tirer dessus. Vous quatre, vous avez l'honneur de prendre les balles pendant que je fais mon devoir. J'aimerais diriger la mission, colonel. Je suis un leader naturel en tant que demi-dieu, et en tant que requin bipède, j'attire bien l'attention. Je décolle! J'ai trop poussé! Ici Wonder Woman. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous vous battez. Continuez. Diana, arrête. Bruce. Bruce, dis-moi où tu es. Je monte la garde. L'assimilation de Brainiac est irréversible. Tu dois l'accepter. Rejoins-nous ou reste à l'écart. J'ai trouvé du matériel de l'argue. Des infos. Des soldats lourdement armés sont déployés. S'ils vous mettent en joue, vous êtes finis. Les laissez pas faire. Écoutez bien, TFX. Dans ce brouilleur se trouve un terminal. C'est votre nouveau meilleur ami. Gardez-le en vie, il se nourrit de l'énergie des ennemis que vous éliminez. Tuez-en suffisamment et le brouilleur va absorber leur énergie pour projeter un bouclier. Il vous protégera des bombardements du Skullship. J'ai besoin de vous entier et avec un brouilleur fonctionnel. Début de l'opération, maintenant. Thank you.
Ouais, ben je suis content que ce soit pas pour moi. Une énigme pour vous. Dites-moi, qu'est-ce qui a quatre têtes pour l'instant et qui doit rejoindre une vedette? Ok, fermez vos gueules. Rien à foutre de ces énigmes à la con. C'est vous, quatre têtes, comme vous. Parce que la vedette est dans la tour radio. Donc, allez à la tour radio. J'attends. On se croirait à une réunion des anciens d'Arca. Enigma. Oh, j'adore les énigmes. Oui, c'est le pire. Ils sèment des indices partout. Nous y voilà. Le sommet du monde. Mais il reste une interrogation. Pourquoi l'Argus vous a choisi vous plutôt que moi? Je devais absolument trouver une réponse. J'ai donc hacké vos nanobombes et vous ai préparé une série de tests dans lesquels vous allez immanquablement échouer. Désolé mon pote, mais on est un peu occupé. Commençons. Mon ombre tombe sur la cité, mon regard perçant et sans pitié. Juste vos cerveaux que je tiens entre mes mains, tels les anciens dieux. Non. Mes défis testeront également votre fortitude et votre corps à travers toute la ville. Et après vous avoir vu échouer encore, l'Argus verra enfin que moi, Edouard Enigma, l'homme mystère, suis le meilleur. Au cas où vous auriez besoin d'un rappel, ce n'est pas ce dandy amateur de mots fléchés qui vous donne des ordres, mais moi. Waller, Enigma a piraté nos bombes. Ça craint, non? Ce n'est pas une priorité pour moi, Lawton. Cobblepot nous a donné une information intéressante. Des grenades expérimentales sont planquées dans le stade, sous la scène de la fête de la justice. Récupérez ces grenades, Task Force X. Attendez-vous à rencontrer de la résistance. Dandy amateur de mots fléchés. C'est drôle parce que c'est vrai. Ah, ça chauffe trop. À toutes les unités, si vos communications sont piratées par un terrien obsédé par les énigmes, ignorez-le. Le criminel terrien en question est du genre obsessionnel. Ne le laissez pas vous détourner de notre mission. On est au stade, Waller. Des grenades hautement explosives. Parfait pour briser la glace avec une foule ou des véhicules. Et puis,
se laisse une petite touche personnelle. Vous inquiétez pas, elles vont pas vous sauter à la gueule. Elles vont pas vous tuer par accident, en tout cas. J'espère que vous avez récupéré le matériel du pingouin. Vous en aurez besoin. Plusieurs de mes agents ont disparu lors d'une manœuvre. Vous êtes chargé de les retrouver. Propulseur activé. L'enferme nous a piégés. Quelqu'un a un plan génial de dernière minute? Mais putain, tire-lui dessus! Les balles ne feraient que rebondir et te tuer. Faut réfléchir. Pas si vous me rendez. Yana! Sors d'ici! Des petits pistolets! Je me demandais si je vous reverrais un jour. Et moi qui cherchais une princesse Amazon, voilà que je tombe sur les plus minables des criminels. Wonder Woman est une amie proche. Il faudra nous passer sur le corps pour l'atteindre. Pas sur le mien. Ne pense même pas à céder à ce connard, Shark. L'automne. Passe à autre chose, mec. Il va falloir passer à la dernière forte. J'espère que vous ne tenez pas trop à vos doigts. Oh, Wonder Woman. Tu sais, j'ai entendu autre chose. Elle a foulé à... Oups, mais... tu viens de la rater. Je m'attendais pas à mieux. Mais je croyais que ce serait Deadshot qui céderait. Bon, je suis toujours en mission. Mais ça m'embête de vous laisser sans rien. Oh, refaites tes choses. Je sais que tu t'inquiètes pour tes filles. Zoé, c'est ça. Je fais en sorte qu'elles soient saines et sauvées. Après, mon maniaque les transforme. Lanterne, tout merdeux, reviens ici. C'est bien beau de me demander de... Attends, ça y est, j'ai trouvé! Attendez qu'il charge son putain de canon pour répliquer. Les balles sont inutiles contre cet enfoiré! Faut qu'on trouve un moyen de sortir de ce foutu stade. Jamais vu un terrain de cricket aussi bizarre. Allez, je monte. Foutons le camp d'ici avant qu'il vienne autre chose. Voilà, on fait quoi? Green Lantern vient de nous attaquer. Encore? Et vous êtes toujours en vie? Il a craqué à la première menace. C'est ça, c'est mieux. Vos ordres sont exfiltrés. L'unité de l'Arcus portée disparue après un essai de terrain du véhicule armé de Gizmo. Allez à sa dernière position et trouvez Flag. C'est qui, ça? Aucune importance. Contentez-vous de me ramener l'unité de l'Arcus. C'est qui, Arcus? Pour réussir, vous aurez besoin de cet appareil à miniaturiser et récupérer au hall de justice. Miniaturiser et servir. On va mettre des gens en boîte. Vous allez en avoir besoin pour ramener mes troupes au bus. Mon équipe se fait discrète depuis qu'un test de véhicule dans la zone a foiré. Donc, grâce à cette technologie expérimentale, on trouve des soldats, on les réduit et on les ramène avec nous. Je m'occupe de les trouver. Je vais scanner la zone à la recherche de soldats. Problème, ça va attirer les ennemis droit sur nous. Et sur eux. Attends,
Ça veut dire qu'ils étaient en sécurité jusqu'à ce qu'on arrive? Non, ouais, oh merde, TFX, dépêchez-vous de finir le travail. Nouveau scan en cours. Débarrassez-vous des aliens et sortez les civils de là. Nettoyez-moi tout ça. J'aimerais pouvoir évacuer mes gars avant demain. Dans le bus, on n'a pas le temps. Soldat dans le bus. Et prends-lui sa taille, imbécile. Il est temps de rentrer au hall de justice. TFX, ramenez vos fesses dans le bus. Maintenant, on l'appelle Flagship. Ouais, je veux rien entendre.
J'ai toujours voulu avoir ça. Waller nous attend au sanctuaire. Allons voir ce qu'elle veut. J'ai vu des agents. Il ne reste plus que Green Lantern entre nous et le Skull Ship. Mais vous êtes loin de faire le poids face à lui. Votre escouade de soutien va travailler nuit et jour pour vous équiper. Là, on oublie le code du travail. Hag vous attend en ville avec des infos et du matos. Allez, on y va, TFX. J'ai Hack en visu, et elle fait bien la taille d'un panneau d'affichage sur Grande Avenue à Gotham. Hack, Lanterne nous est déjà tombée deux fois dessus. Tu vises le tiercé ? Relax, papa. Je suis une projection en réalité augmentée. Y a que vous qui pouvez me voir dans toute ma grandeur.